Eh bien, salut tout le monde, c'est Jacrem, et aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo freestyle. Enfin, c'est pas tellement une vidéo freestyle, mais je vais faire une map aventure. Enfin, en compagnie de Frost83, comme dans la précédente vidéo, donc salut à toi. Salut. Ouais, et donc, comme tu peux voir, j'ai piqué tout le manger. Bref. Tiens, je vais t'en donner un peu. Donc voilà, allez, c'est parti. C'est les règles, il est interdit de casser des blocs et jouer en facile. Alors, le but... Le but de la map, c'est de récupérer toutes les underpearls. Il y en a combien? 20 ou 10. Attends. Là, il y en a... Le calcul de la chute. Alors, 98 plus 11, ça fait 109. Que moi, comme je connais la map, comme je connais la map, tu viens de péter une torche. Comme je connais la map en détail, je vais pas tellement être utile. Va bien s'exploser. Un coffre. Alors, voyons voir. Donc, tu as combien d'underpearls? Un coffre avec une plaque de potion. Manger. Non, pas de problème. C'est bon manger. Alors, rien à faire. Attends, TNT, si je pose une plaque de pression, là, j'ai... Toué, Ambléo. Ah bah non, j'ai cassé la plaque de pression. D'accord, vous pourrez une torche de ratio dans la place. Non, on peut pas. Bon, bref, je vais vous expliquer le concept. En fait, ici, il fallait poser une plaque de pression, mais comme un blaireau, tu l'as pété. Ben, on va casser un bloc. Et on a un briquet qui va nous servir comme. Ouais, un briquet! On va se ramener! Et moi je vais me mettre là, voilà. Je me mets ici. J'ai envie de péter avec la tête et. Ouh, oui! J'ai un bloc de fer, attends, je vais. Alors, je vais tout alors bon, bien, on va essayer de faire attention à toi. Point de spawn! Et point de spawn. Celui est occupé! Pas fort. Bref. C'est bon. Donc tu l'as pris le coffre ici? Non, si c'est pas le suivant. Non, tu l'as même pas pris. C'est le coffre le plus visible. Un coffre. C'est le coffre... J'ai cru que tu l'avais pris, moi. Et non, moi je te dis que je prenais pas les coffres. Tant pis, je les prends. Un gâteau. Un gâteau? Oui, je sais, j'ai vu. Mais t'inquiète, là je viens de le prendre. Ah, ça va. Je suis un blaireau. Donc quand on tombe, bah, il faut commencer. Je suis un blaireau. Bon, bref, j'ai pas envie que l'épisode dure une heure. Donc, allez, point de spawn. Alors, oula. Donc t'as combien d'underpearls toi? 5. Vas-y, passe-moi les. Je vais faire mon blaireau. Attention. Blaireau man. Ça commence bien. C'est bon, moi je suis passé. Ouais, j'ai réussi. Deuxième coup. En fait, tout à l'heure, je vais vous expliquer. Tout à l'heure, on avait tourné l'épisode et on a mis. Il a mis 45. Il a mis 45 essais. Ouais, si je me trompe pas, il a mis 45 essais à passer ce temps. Oui, c'est ça, 45 essais, oula, c'est chaud. Alors, Joe Dingo. Moi je prends pas les underpearls. Refais ce que t'as fait. Refais ce que tu viens de faire. La porte elle vient de s'ouvrir. Deux underpearls. Bref, refais ce que tu viens de faire. La porte elle vient de s'ouvrir. Attends, t'as dit qu'il y avait des underpearls. Quelque part, je te dis pas, c'est faux. Bon, rappuie là-haut. Non. Attends. Je l'ai montré dans la vidéo comme ça. Voilà, c'est bon. Vas-y, viens là où j'étais. J'ai montré dans la vidéo comme ça tu sauras où tu as loupé ton underpearl. Alors ici, il y a un chemin très facile, je vais vous le montrer. Donc comme je connais un peu la map en détail. Hein. Voilà, donc le chemin très facile. D'abord, j'attends que tu passes. Hein. Tu passes. Allumez-les. C'est quoi ce nom, chemin? Bon, c'était censé allumer les lumières, mais
Mais je sais pas pourquoi ça a pas marché. Voilà, le chemin très facile, c'est ça. Voilà, très tout simplement. Ouais, bref. Ici, pas de porte. Bon, je sais pas, allumer les lumières, ça marche pas. Donc, Et ici, c'est dispense attack. Non, attends. Dispense attack. Petit point de spawn. Oh, le bug de Chunk. Tu vas voir ça dans la vidéo. Oh, le bug de Chunk. Ah, c'est trop dément. Oh là là. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression d'être dans un mur. Ah non, oh non, mais moi, je suis dans le mur, je peux pas rien faire. Je suis bloqué. C'est vrai. Ah, le boîte. Oh, je suis en train de bloquer le dispenser. Ici, une flèche. Je suis en train de boiter. Je viens d'avoir une torche de redstone. Je suis en train de boiter le dispenser. Je viens d'avoir une torche de redstone. Flèche. Je vais boire le dispenser. Je viens d'avoir une enderpearl. Flèche. Flèche. Ah, mais vraiment, là, je suis en train de mettre le boîte. Il arrive pas du tout à rentrer une seule flèche. Mais moi, les flèches, elles rebondissent sur moi. Bon, voilà. Ok. J'ai une torche de redstone qui nous sert à ouvrir la porte, tout simplement. Vas-y, viens. Alors, vous devez trouver les trois couleurs différentes à l'aide du levier. Donc, petit checkpoint. Viens, vite. Viens, petit checkpoint. Là, viens, vite. Donc, ici, alors. C'est un jeu de chance. Ça, je dors. Voilà, donc, tac, j'ai eu deux colorants. Attends, on dort. Tac, donc je récupère tout. Ici. Mais attends, cette technologie me fait vraiment penser à une machine à trouver les trois couleurs différentes. Mais à chaque fois, il faut ramasser les couleurs. Non. Non, c'est de la triche si on fait ça. Hop. Non, c'est quoi ça? C'est l'épreuve. Attends. Interdit d'avancer s'il n'est pas terminé l'épreuve. Ça peut pas le mettre, je déconne. On va trouver les trois. Donc, c'est plutôt un jeu de chance. Attends, vert, jaune et rouge. Rouge. Ah bah c'est donc... bon, on les avait eu, mais t'as ramassé le vert et le jaune. Bon bref, on va passer. Interdit d'avancer, mais on a terminé l'épreuve, donc on peut avancer. Moi je vais jeter toutes mes couleurs. Et il faut essayer de monter assez vite, comme ça on peut dormir là-haut. Oui, oui, viens vite, 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 vite. On pourra dormir. Non, il se lève pas encore. Il va se lever dans pas longtemps. C'est bon ton truc? Ouais, je sais. Un coffre. Non, oui, un coffre. Vite, 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 vite. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Le soleil, la lune. Non, c'est bon, on a encore le temps. Checkpoint. Je spawn sur les barrières. Dans un des coffres, voilà. Une petite underpearl. Combien as-tu de underpearl? 3. Vas-y, passe-moi les. Lol. Lol. Ici, il faut passer. Tour de l'ange. C'est galère ce niveau. Je suis mort. Non. Attends, attention. j'ai sauté derrière, ici. Parce que tu sais comment on atterrit sur les barrières. Ah, j'ai trouvé la technique. Presque, j'ai atterri dans l'eau. Un coup c'est un bloc, c'est trop loin. Non, tu m'as poussé, tu m'as poussé. Non, pas loin. Ah, mais non. Ah, c'est compliqué. Non, j'étais juste à côté. Non. Ah, maintenant j'étais trop loin. Plus à chaque fois, je glisse dans le trou. J'étais... Juste pour pas que les Thunder Souls ils disparaissent. Thunder Souls? Je sais pas, ouais. Hop, voilà, je viens de faire un truc. Comme ça, 5 minutes de plus. Hop. C'est que les Thunder Souls, c'est un item qui glisse. Ah bon? C'est quoi? Oui, enfin, c'est un token d'un mode Minecraft pour PC.
Oh non! Ah. C'est un truc en fait avec des. Ça s'appelle mode mutant créature. Ah, et c'est. L'Under Soul est un item qu'on drop sur l'Under mode mutant. Ouf! Ouais, je suis passé. Ah. Ce coffre. Donc on va essayer de faire une ellipse le temps que j'arrive. Et je vais compter tes essais pour me marrer. Ellipse. Ça va, ça nous aura pas pris plus de temps que prévu, mais voilà. Donc je te laisse. Oui, t'inquiète, ça tourne. Un truc en or. Pas des coffres. Attends. Déjà, pour avoir fini la mini-map aventure. Mind jeu, créé par Jocrem, testé, approuvé par Supermax pour finir. Voici une petite récompense. Ah waouh 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 ouais. Il y a normalement la dernière underpearl, mais nous ça nous fait 17. Non. Est-ce que t'as une underpearl? Non. Attends, mais Ah mais non, pardon, il y a 19. Non, il y a 19 underpearl. Non. Mais c'est pas mon plan comment ça va. Où ça? T'inquiète, celui-là je l'ai pris. Celui-là au fond là, tu parles? Oui. Ouais, mais je l'ai pris. Désolée de te décevoir. Mais... Non, touch. Bon. Et ça fait quoi? Ça fait ça. Mets-toi comme t'as une armure. Comme t'as une armure en diamant, t'es un tricheur. Et donc voilà, on a terminé cette map aventure. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire. On en refera. Et donc je vais vous dire à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Mettez des pouces verts, ça me ferait plaisir. Et ciao tout le monde.